phénoménal ça. Bien joué. Putain. Bien joué. Good job. Je vais aller ta palette. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ensemble, tous ensemble, hein, pour faire un petit débriefing de cette année. Hein, donc on a passé une très belle année. Moi j'ai fini mes études, j'ai eu mon bac. Bah écoutez, moi c'est la belle vie quoi. Donc moi honnêtement, je vais vous dire un peu, on va faire un petit mini débriefing à peu près. Donc ça va genre prendre 5-6 minutes à peu près, je ne sais pas. Pour dire, merci d'être toujours là pour moi, pour la chaîne, tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Vous regardez, y a peut-être des let's play qui sont mal lancés, que j'aurais du mal à suivre, mais je préfère quand même rester sur des bonnes bases. Donc après, vous aurez peut-être pas la suite des let's play tout de suite, mais là on n'en est pas là. On en est à un point où je pense que j'ai fini par réussir à aller où je veux aller, donc un classement qui est possible avant qui n'était pas possible pour moi parce que j'avais pas le niveau et puis la dernière saison était catastrophique. En plein milieu de saison, fin de saison, il y a eu les glitch clash, il y a eu les glitch bouclier Jaeger et le glitch IQ. Donc ce qui m'a fait énormément baisser mon niveau dans la saison dernière, donc Burnt Horizon. Et à cette saison Phantom Side, c'est une super bonne saison que j'ai passé aujourd'hui parce que j'ai réussi à atteindre le P2. Et le P2, c'était un classement que je voulais arriver depuis la dernière saison, donc Burnt Horizon. Alors pourquoi vous allez me demander? Tout simplement pour pouvoir participer au G4G, c'était ma seule condition pour moi pour que j'y aille. C'était d'avoir un niveau P2, quoi. Et j'y suis parvenu et puis je suis plutôt fier de moi. En ce qui concerne mon classement, je pense qu'il y en a un qui vont être étonnés de ce que je suis devenu aujourd'hui. Il y en a qui vont être fiers de ce que je suis aujourd'hui. Alors mon bac, le P2, voilà quoi, c'est que du bon humeur, c'est que du bonheur, pardon, excusez-moi. C'est que du bonheur, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que personnellement, vous pourrez dire votre opinion, enfin voilà, ça ne m'atteindra pas. Et je sais que certains sont étonnés que j'ai réussi à aller jusqu'au P2, parce que certains disaient que était, je dis pas contradictoire, ils étaient en désaccord, ils pensaient pas que j'allais avoir le niveau de P2. Et je pense que c'est dommage qu'ils pensent de ça parce que franchement j'ai vraiment le niveau d'un P2 quoi. Enfin, j'ai enfin le niveau d'un P2, enfin on va se dire quoi. En ce qui concerne des critiques, personnellement moi je m'en foutrais quoi. Mais voilà, ils étaient plutôt en désaccord avec moi et certains disaient ouais t'as pas le teammate, t'as pas... t'as pas le style d'un joueur de teammate, tu vas pas y arriver, t'es plus un joueur casual, machin. Ok, hein, comme vous voulez, mais un jour je sais que j'y arriverai. Et puis, c'est avec de la détermination quand on a l'envie qu'on peut réussir ce qu'on veut avoir, quoi. Comme on dit, quand on veut, on peut. Et puis, personnellement, je remercie quand même ma team, quoi. Mon chef de team, Alex, Logo54, mes autres collègues, LMK54, et puis tous les Toupie aussi. Il y a d'autres aussi que je peux remercier, franchement. J'ai vécu une superbe saison. C'est pas la fin de la saison, mais
J'ai vécu plutôt une bonne saison, on va dire, parce que j'ai réussi à être P2. Il restera plus que le Smurf et le Trinity à faire monter, mais je pense que d'ici là, je pense que on pourra y arriver, ça c'est sûr. En ce qui concerne les G4G, bah écoutez, bah moi je serais prêt à en faire, donc que ça soit du G4G normal, vous savez, en 2v2 ou en 5v5. Donc si vous avez des problèmes niveau remplacement, machin, enfin, si par exemple vous êtes à 4 et tout, et puis vous manque un joueur et que vous avez besoin d'un remplaçant, bah vous savez où je suis quoi. J'ai plutôt un bon niveau quoi, et voilà, donc je pense que je mérite quand même un peu de fleurs, si vous voyez ce que je veux dire. En ce qui concerne, bah, pour la prochaine saison, je ne sais pas si je veux viser le P1, ça, je sais pas. Honnêtement, ça peut être très très dur, ça peut être un superbe challenge. Mais je pense que pour le moment, je suis plutôt bien là où je suis, quoi. Donc pour le moment, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne avant, bah, à part ce qui s'est passé dans les anciennes teams, que ce soit la team Black Grey, que ce soit la team Genesia, je pense que pour l'instant, là où j'en suis, je suis plutôt bien et je pense que je vais rester là où je suis, c'est-à-dire avec la Trinity Team. Et jamais je laisserai tomber cette team ni mes coéquipiers parce que je pense que franchement. Mes coéquipiers, ils méritent large d'être encore là et je mérite d'être. Enfin, ils méritent d'avoir un coéquipier comme moi, quoi. Donc, jamais je les laisserai tomber et je pense que je pourrai jamais les laisser tomber car ils sont beaucoup trop bien pour moi. Et voilà, quoi. Enfin, c'est que du bonheur, quoi. En ce qui concerne des choses qui vont étonner certaines personnes, ils vont se dire, putain, t'es P2, ton chef de team est P3, tes collègues sont P3, machin, donc t'es plus fort que ton chef, donc pourquoi t'es pas chef de team? Stop! Déjà, on va s'arrêter sur ce point-là. C'est que jamais j'aime pas la célébrité, j'aime pas être au-dessus de tout le monde. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire tout de suite, et c'est la pure vérité, que quand j'étais devenu P2, bah, j'étais très mal à l'aise parce que je me suis dit, j'ai niveau P2 et mon chef de team est pas encore P2. Donc, voilà, je suis plutôt mal à l'aise. Voilà, donc, j'ai rien contre toi, Alex, c'est juste que ça me fait un peu de mal d'être au-dessus. Enfin, je dis pas au-dessus de toi, quoi. Et d'avoir un classement un peu plus au-dessus alors que ça doit être le contraire quoi. Mais bon, je pense que d'ici de son côté, il me dirait non, tu mérites fièrement ton P2. Et je pense qu'au niveau des critiques, machin, ils devraient tous fermer leur gueule, comme il le dit. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser là. Et puis je vous remercie encore d'être là pour moi. Ça fait super plaisir. J'espère qu'on se reverra bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis sûrement pour des prochains clips. Allez, et encore merci. Bisous bisous, je vous aime.